Moi, c'est pas compliqué. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf, tu veux pas de mes t-shirts par rack? Quoi? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi? Moi aussi j'ai du rack, hein, qu'est-ce que tu crois? Mais là, le logo, il est tombé, c'est tout. Oh, l'autre, son logo, il est tombé, hein. Faux, c'est pas possible, les logos rack, mon pote, ils tombent pas. C'est cousu dans la masse du t-shirt. Ah ouais? Eh ben moi, c'est un rack d'importation, voilà, directement de là-bas. Et là-bas, ben, y a pas besoin de logo. Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde connaît le style. Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens. Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire. Pour Neva. Ah. Il va voir ce grand nage de kiki sexuel qui sait que vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over mega kill. Oh. Oh. Voilà, comme ça, c'est aussi joli. Oh, hein? C'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que les VIPs qui l'ont aux States. C'est mon père qui me l'a ramené. Ben, moi, je connais pas. C'est génial. C'est si cool. Où est-ce qu'on peut en avoir? On peut pas. Il n'y a pas encore d'importateur. Moi, en fait, j'y pense. Justement, il y a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Ha. Mais tu l'avais pas déjà avant, ce t-shirt, Titeuf? Je le reconnais. Non, mais ça va pas dans ta tête, toi, hein? Et puis d'abord, comment t'aurais vu? T'as toujours au moins une oreille devant un œil. Oh, oh! Mais tu t'es bien regardé, pauvre taré du slip! Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon! Bon alors, Titeuf, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père? Bon ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh! Ouais, et ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Tcho! Waouh! C'est vrai, c'est quoi, corporate? C'est ça, ouais! Un blouson rack! Comme tout le monde, quoi, hein, pauvre nul! Non, mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans, non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis, il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'était trop nul. Tchou, les gars. Tchou. Oh, oh bah tcho. Tiens, c'est trop chouette cette vague bleue là. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est une nouvelle marche. Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique. Un carton en Amérique. Arrête un peu ton charme, Manu, c'est trop nul ça. C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool. Non, moi je la trouve chouette sa marque, Manu. En plus, j'aime bien le bleu. Ha, tu vois alors? Ouais, et moi je préfère largement le X jaune de Titeuf. Ça, c'est n'importe quoi de faire. En même temps, lui au moins, il a du goût. Tu te souviens, hein? Ça te fera 3 barres chocolatées que tu me dois. Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein. Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père. Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues. Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue. Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon. Tchou, les gars! Oh, oh mon petit Hugo, faut que je te parle. C'est quoi ce délire sur ton pull? Et en plus, c'est celui d'hier. Tu t'es même pas changé. Non, mais tous mes autres pulls sont au sale. T'as fait comment? Facile, je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette. Ouais, bah c'est pas une marque, alors t'arrêtes maintenant. J'arrête rien du tout. X Company, ça existe pas non plus, d'accord? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi. Tu vois, alors tu veux que je te dise? Eh ben t'es coincé, pauvre slip. Tiens, regarde. Oh non, 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 non. Ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Ben quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque, de toute façon. Mais c'est pas de la marque, ça! C'est complètement débile! Écoute-moi, X Company, c'est de la marque! Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère. Enfin, ça veut dire... Oh. T'es qu'un pauvre clown du zizi, toi! Répète un peu ça! Ciao, les gars, ça roule! Mais qu'est-ce que t'as, François? Tu débloques, toi aussi, ou quoi?
Mais pas du tout, Titoff. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Oh, c'est ça, ouais. Ça fait la Saturne Compagnie et ça vient d'Amérique, c'est ça? Bah, ouais, c'est comme toi, quoi. Ils sont tous devenus faux. Complètement faux. Tiens, tu cries fort, toi, dis donc. Ça va pas? Oh, Tim, tu tombes bien. Je te vends tous mes t-shirts de X-Compagnie, est-ce que ça te dit? Ben non, moi, les marques, ben, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, tout le monde en a, alors. Heureusement que t'es là, toi. Hé, hey, écoutez-moi tous, c'est méga important. C'est Tim qui a raison, c'est vraiment débile, toutes ces marques. Il faut arrêter ça. Oui, c'est ça, comme ça, tu seras plus que le seul à en avoir, hein. Mais non, c'est nul que je te dis. Si tu ne crois pas, regarde un peu ça. Oh. Moi, je garde des Lions Compagnie. Ils sont fracasses alors que X Compagnie, c'est vrai que c'est sacrément ringard, ça. Tu vas voir, espèce de pauvre taille de cible. Ah, c'est ça, regarde-moi. Ah, moi, ça. Oh, mais je suis enlevé, moi, ces Lions Compagnie. Lions Compagnie, c'est comme ta moto. Qu'est-ce que c'est moche. Et t'en fais toi, pas sur rien que l'autre personne. Essayez de rester tranquille, quoi. Salut tout le monde! Oh, Nadia! Regarde mon blouson! Rack Corporate avec le logo dans le dos et tout! C'est pas de la bombe atomique, ça! Top! Classe et tout, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Titoff! Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Titoff! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie, je crois qu'elle a besoin de toi. Je cours si je veux d'abord. Place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Hé, ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Titoff. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend. Hein? Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine? Avec des bisous et tout le reste? Mais si tu rates, tu auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titoff, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache, je parais que je te ramènerai même la couronne. Hé, hey, Titoff, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ces devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars, je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir.
On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine! Oh, oh, la reine! Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Qu'est-ce que tu fiches, là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges. Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges? Faut jamais les déranger, c'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elles te mangent comme ça, tout cru? C'est dégueu. Je te crois pas, moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? C'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la totomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi? Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Je vais faire maintenant. Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Burke! Son nouveau avec les bretelles roses? Oh, je les comprends mieux maintenant, ces deux super méga pestes. Vous avez vu les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Oui, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, mais oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui, tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis. Elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférerais pas avoir un ver de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf! Oh, je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. Oh, t'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. Oh! C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça? Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Prête-la, moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Ne laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer premier ministre. Premier ministre, oh, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça. Voilà, c'est fait. Tu crois que c'est comme ça, une reine des fourmis? Bah ouais. Waouh, dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon portard. Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. C'est trop! Oui, mais Nadia, j'ai gagné. Tu l'as, ta fichue fourmi? Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je porterai ce maudit cartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste! Tropicalus François! Je te l'avais pas dit que c'était vachement dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Ah, fourmilius, ah. Re-
mon picolique. J'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Vite. Nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison, et en plus, bon, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je suis en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. M'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Je vois pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermegakill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en vous gars, ça pue son truc. C'est moche, hein. Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf, tu vas devenir comme Alan des Toubinazes. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Arrête de frimer. Ouais, et en plus avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Moi
Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf. Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seule. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Ils sont même pas en maillot de bain. Aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collé l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec... mademoiselle. Oh non, pas ça, non, pas ça. Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. Tchou, c'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. Pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris. Super génial. Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mère, le musée du père. Ouais, ben moi... Ouais, le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au 8e degré. Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé. Et oh, vraiment, ben moi, je me suis éclatée à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux. Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi. Il y en avait plein la caravane. Ouais, ben moi, les gars, je suis allé en colo. Purée, comment t'as pas de veine? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière. Je te raconte, pro, c'était l'enfer. Tcho, je crois plutôt que c'est toi qui as un pot de veine. Je sais pas dans quel colo à l'agneau que t'es tombé. Allez, vas-y, moi, la mienne de colo, elle était méga bien. Ah,
Le plus dur, c'était pour mes parents. Ils voulaient pas me lâcher. Oh, je veux pas y aller. Non. Ça, ça suffit, Titeuf. On viendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Alors, encore un récalcitrant? Ensuite, je me suis occupé des monos. Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils. Va falloir marcher droit, mon bonhomme. Sinon, quick, je te coupe la mèche, moi. Et ça, aussi sûr que je m'appelle Max, compris? Je m'en fous. Je mangerai rien. Je ferai une fugue aux îles Tonga et vous me retrouverez plus jamais la vie. Et ce sera de ma faute. Ça, les têtes de mule. Un jour en colonie, la si. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Prends ça. Ouais, t'as raison, Titeuf. Faut les mater, les monos, sinon ils croivent tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf? Là. Wow, c'était un prime olympique. Le plus mégatop, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsion. Au secours! Un requin tigre, une murène, un calamar géant! Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse coulée? Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois! Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité! Va falloir que je sévisse! Et comment était la bouffe? Ah, c'est toujours aussi des gueules bif? Des gueules bif? Mais dans quel colon pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était 5 étoiles à tous les repas. On a faim! Amenez-moi tous vos auges! C'est ma tournée! Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Tu m'as cru un pauvre patate cru. Ouais, et ben tu vas voir, patate noire. Du sang, de la chic et du mollard. Avec du rap qui tombait du ciel. Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche. Ouais, mais il y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible quand même. Oh, t'inquiète, j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporée, et les monos avaient pas intérêt d'entrer sans frapper. Et surtout les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Inspection des caries dans 3 minutes. Et pas de bataille de polochon, sinon j'en chope un pour taper sur l'autre. Je vous réveille tous demain matin à 5h pour un footing général. Pichez. J'avais même un lit automatique qui remue tout seul. Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non? Je te conseille de te dépêcher, sinon... Quick. Les filles, Titeuf, il y en avait des filles. Tu parles s'il y en avait des filles. Il y en avait tout plein des filles, partout. J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bronzage sous la douche. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Un jour en colonie, Elles étaient toutes sur moi à vouloir m'enlever mon slip. Je vous dis pas comment le mono était jaloux. C'était vachement bien, tes colos.
chaud, le méga bonheur, je vous dis. Il y avait juste un truc de naze. C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents. Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs. Je rangerai ma chambre. Je ferai la vaisselle. Je changerai les couches de Zizi. Mais par pitié, je vous en supplie, venez me chercher. Paul, quand même méga trop bien ta colo, Titeuf. Et si on y allait tous l'année prochaine? Bon, dommage, hein, y a plus de place. Parce que c'est tellement trop bien que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois. Bonjour les enfants, vous avez passé de bonnes vacances? Oui. J'ai une grande nouvelle, notre classe a été choisie pour aller en classe de mer tous ensemble cette année. Alors je vous présente Max, c'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera. Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier qui s'empare du ballon et... il meurt! Wouhou! Wouhou! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et... but! Wouhou! Hein? Bah, qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, mais arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Gigi. Mais maman, tu sais que j'ai un match. Je suis pas une baby-sitter, moi. Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Non, attends, je vais marquer. Les gars, gros yeux, dis-moi un peu ça. Oh, je te raconte pas la honte. Oh, dis donc. Alors, on joue à la poupée Titeuf ou Naître. Bande de nazes, vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de Zizi dans le ventre de votre mère. Fais la passe, ouais. À moi. Oh, arrêtez, je vous dis. C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là. Oui, passe. Hey, vas-y, passe. J'en veux pas aussi. C'est pas de l'uranium qu'il y a de la dent, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Ouais. Oh. Que vous pouvez être new qu'à l'heure, bande de Tchernobyl fuyant de la bouche. Vas-y, lance. Je te raconte pas les poils virils que je vais avoir avec toutes ces hommes rondes de calcium. Oh, t'es vraiment un gros dégueu. Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, on est là! Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Oh, cool! Hé, les filles, regardez-nous! Hé, les filles!
panier que je viens de faire. Attention les yeux, vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hein? Hé, les filles! Regardez, là par exemple, je vais la faire rire. Waouh! Là, elle va crier. Regardez ça. Hé, les filles, regardez, sans les mains. Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit deux mots quand elle est endormie et trois mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite. Hé, les filles, regardez-moi. Mais ça, j'ai encore raté. Waouh, bravo, petit mec. Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, Titeuf, par là. Faut qu'on te parle, c'est urgent. Ouais, quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois. Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles, on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi, samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge deux fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 fluo avec méga explosion sur la langue. 31. 32. 50. Ouais. Adieu, j'ai vendu pour 50 sucettes. Ouais, et à moi toutes les filles. À moi toutes les sucettes. Ouais. Ok, ok, pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête, t'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupée que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non, non, non et non! Tu peux pas me faire ça! Me prendre Zizi cet après-midi! Mais tu te rends pas compte! Je suis comme un père pour elle! On voit bien que toi, tu sais pas! Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper! Oh, c'est vraiment pas juste! Et toi, tu l'as planqué où la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non, c'est une pure cata ça, mon petit gars. T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hey, waouh, t'as vu ça un peu? C'est complètement dingue. Hugo, c'est pas vrai, toi aussi t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi, c'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher! Elle est très fragile des os, je vous jure! Hein? Oh! C'est vraiment lamentable! Tu veux vraiment faire le bébé, Titeuf? Eh bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé? Oh non! Non! Pas ça! Personne ne touchera ma couche! Non! Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous?
Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais, des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Waouh, t'imagines un peu, on pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas? Dame beau, tant qu'on y est, hein. Oh, je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Oh ouais, super. Vous êtes starbés, les gars, ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord, toi, pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la lune tourne autour de la Terre, alors, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas 23 ans. La Terre 24 ans. C'est Titeuf. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de pocket d'œil. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel, c'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial! T'as amené les lunettes? Ouais! Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées, hein? Espèce de momo sexuel. Mais fais voir. Ouh, petite femme, petit zizi. Oh. Ah ouais. Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Enfin, elle n'a que 18 mois ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, tes lunettes, pour voir tout nu? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi, pauvre Nuk. Tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui t'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer. Vieux camembert bien pourri. Chocoberbe à la crème. 50 crottes de pigeon bien fraîches. Quelques poils de chat. Une crotte de nez dans sa morve. De la pâtée pour chien, un demi-litre de bave de bébé, de la chiure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Mmh.
Qu'est-ce que ça chmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi des lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Et moi non plus. Oh, j'ai peut-être oublié quelque chose. Ouais, un poil de fesses de mouton. Tchou, t'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. Et comme il n'a pas d'abdos, regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Tout nu. Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? C'est trop dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis, compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants! Ah, vraiment très drôle. Maintenant... Ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Point dans yeux. D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tcho! Pour qui est-ce qui nous prend? Des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça un arbre. Gaffe, tu vas avoir zéro. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça y patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, eh ben, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras à 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho.
sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Oh! Et voilà, comme ça, ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Wow! On dirait les nanas de Mr. Bug! Oh, mais non! Tu vois bien que ces deux mâchoires de chimpanzés. Et toi, alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? Deux revolvers. Allez, c'est fini, ouais! À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieillard des plus sinistres, des réponses très inquiétantes et pour finir, deux revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible céréal killer. Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane, il voulait dire un céréal killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Oh ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible. Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute. Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire un sasso. Ah non, c'est parti. Mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller. C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut deux volontaires. Top là! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Ok. Et ça m'a coûté trois fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Nuk, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidé tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus de paraffine? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague. Ouais, Le v'là, j'y vais. Oh là 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 là. Mon Dieu, j'en étais sourd. Au secours, au secours. Rattrapez-le. Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars. Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus, et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné. We'll be right back.
Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais. Et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh. Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le body building. Il fait de la gym, quoi. Vite. Nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, bon, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je suis en fer du bodybuilding. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. M'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en vous cas, ça pue son truc. C'est moche, hein. Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf, tu vas devenir comme Alan des Toubinas. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Arrête de frimer. Ouais, et en plus avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf. Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seule. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Ils sont même pas au maillot de bain. Aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf!
Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collé l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec... mademoiselle. Oh non, pas ça, non, pas ça. Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive! Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, quelle horreur. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regardez ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchao.